Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Les élus et cadres du Guémon au domicile du Premier ministre, chef de gouvernement. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les élus et cadres du Guémon, en Côte d'Ivoire, sollicitent une visite du chef de gouvernement, Son Excellence Ahmed Bakayoko, dans la région du Guémon, dans le cadre de la sensibilisation des populations, en particulier les jeunes de la région de Guémon, à la non-violence, à la cohésion sociale. Ils espèrent de cette visite l'accélération du processus de la région du Guémon. Monsieur le Premier ministre, nous sommes venus vous inviter. Parce que notre région de Guémon, comme les autres régions, comme Daoukro, comme Bonoua, comme Gagnoua, a été secouée par cette crise. Il y a eu des dégâts matériels importants. C'est vrai, on a eu la bénédiction qu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais les dégâts sont énormes. Cette région bouge. Cette région veut vous voir, veut écouter vos sages conseils. Attendez-vous des solutions pour que nous puissions apporter des solutions à nos populations. Le chef du gouvernement, Son Excellence Ahmed Bakayoko, a donné un avis favorable à la doléance d'effectuer une visite d'apaisement dans le Guémon, à une condition, l'union et l'entente entre les élus et cadres de la région du Guémon. Évidemment que je prends avec beaucoup de plaisir cette invitation à laquelle j'adhère parfaitement de venir vous voir dans le Guémon. Je vous invite au fond de vous-même à trouver les ressources pour vous unir, pour votre région. Quand on est un acteur politique, une personnalité publique, c'est-à-dire qu'on a accepté de travailler pour le service public, le bien public, c'est qu'on doit être capable de dépasser sa propre personne pour l'intérêt de la collectivité. La date et la visite du chef du gouvernement dans la région du Guémon sera fixée ultérieurement. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.